Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Good tidings we bring to you and your kin. Good tidings for Christmas and a Happy... Hey, bonjour tout le monde, bonjour, bienvenue dans la zone jeu de société qui vit le temps des fêtes au maximum. Alors, est-ce que vous êtes prêts pour le deuxième épisode du déballage surprise? Hein? Regardez ce beau déballage que ma fille m'a donné. Mais imaginez-vous donc que ma fille, elle est là, encore une fois, Rebecca, qui aime beaucoup la caméra et qui veut ici nous déballer. Alors, je pense que tout le monde, ça va être quoi aujourd'hui le jeu qu'on va présenter dans la zone de jeu de société? Rebecca, vas-y, déchire-nous ça, vas-y! Ouvre-nous ce cadeau, je suis excité. Oh, c'est Z-Man, on voit que c'est la compagnie Z-Man. Qu'est-ce que ça peut bien être? Oh! Regardez-moi ça, c'est le jeu de Mark André. Ouais, enlève-moi ça, allez. Enlève-moi ça, toutes ces affaires-là. Alors, merci Rebecca. Alors, c'est le jeu avec plein de reflets, comme vous pouvez voir. Fait que je vais le mettre comme ça. Alors, c'est le jeu de Mark André. S'appelles-tu vraiment Marc-André? OK, il n'y a pas de tiret, donc c'est vraiment Marc-André. Alors, c'est le jeu Majesty for the Realm. Alors, jeu que j'ai essayé, d'ailleurs, lorsque je suis allé à ma fameuse fin de semaine du LAL, le lac à l'épaule ludique, que j'ai trouvé très cool, très impressionnant, et surtout qui, c'est un jeu qui, je pense, va très bien se jouer dans ma famille, et qui va avoir, je pense, beaucoup de plaisir à s'amuser avec celui-ci. Fait que c'est un petit jeu de cartes, c'est du créateur de Splendor, d'après ce que je me souviens. Et puis, il y a beaucoup de matériel un petit peu over the top. Jeu de cartes sympathique, intéressant, cool, mais à quoi ressemble le fameux matériel? J'essaie de trouver le meilleur angle de caméra pour vous présenter sans qu'il y ait de reflet. Alors, à quoi ressemble le matériel? Ben écoutez, allons-y, critiquons-le. J'enlève la petite pellicule de plastique et on va regarder ce qu'il y a à l'intérieur du jeu Majesty For the Realm. Alors voilà, j'espère que vous êtes dans le temps des fêtes présentement. En tout cas, nous autres, ça avance au moment où je suis en train de filmer ça. Nous sommes le 10 décembre et on sent que ça s'en vient tranquillement, pas vite. Hein? C'est, il y a une petite neige ce matin. Alors, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de cette petite boîte de Majesty? Alors moi, j'ai joué avec la version européenne, avec toutes les cartes qui étaient écrites en allemand. Alors, ça va faire différent de les voir en anglais. Et j'espère que mes enfants vont pouvoir bien apprécier l'anglais. Il faut bien qu'ils apprennent l'anglais à un moment donné. Alors, nous avons un petit livret d'instructions, comme d'habitude. Jeu qui n'est pas très complexe, hein, mais qui a quand même une certaine, comme vous pouvez voir, une certaine complexité dans sa présentation, mais je pense que ça va se lire très rapidement. J'ai d'ailleurs là une grosse intention de jouer avec mes enfants cet après-midi à ce jeu-là là, pour qu'on puisse justement s'amuser. Alors, on a ici une autre petite feuille ici qui est le Summary Rule Sheet Side A. Donc, c'est intéressant. Donc, un petit sommaire des règles Side B. Sauf que c'est drôle, on a le side B, mais on a une partie du side A dedans. En tout cas, bref, une très bonne pensée. Et oh! Alors, on a ici l'overproduce, la production incroyable de ce jeu-là. Alors, on a ici des petites cartes. Alors, chacune de ces cartes-là qui vont représenter, dans le fond, le jeu de Majesty, c'est qu'on doit, peupler notre village de différents travailleurs. Et ces travailleurs-là vont nous apporter des points. Et ces points-là, évidemment, vont, à la fin de la partie, celui qui va avoir le plus grand nombre de points va gagner la partie. Alors, on les a ici, regardez ici par... ça, c'est les cartes qui vont représenter chacun des villages. Alors, il n'y a quand même pas une grande quantité de cartes. Hein? C'est pas si énorme que ça, mais c'est ça ici. Regardez-moi ça. Alors, ça, c'est les fameuses... J'appellerais ça les mini-chips de poker qu'il y a dans le jeu. Alors, mais en fait, ce sont des points. Alors, dans le jeu-là, on va utiliser ces points-là, ces chips-là, pour acheter des personnages. Mais j'avoue que à chaque fois qu'on a des petits chips de poker comme ça, ça rajoute énormément à la qualité visuelle et à la qualité du matériel. Fait que je trouve ça très intéressant. Fait que là, puis des petits meeples qu'on va avoir besoin. Alors, il me reste à déballer ces cartes-là.
puis de vous présenter à quoi ça ressemble une fois que tout est déballé. Puis on aura déjà terminé le déballage et la présentation de ce déballage surprise de Majesty for the Realm. Bon, alors voilà, fait que j'ai tout enlevé les petites pellicules de plastique, alors ça va nous permettre de voir un petit peu le matériel dans toute sa splendeur. Fait que vous voyez qu'ici, il y a même un petit insert pour placer les quatre joueurs différents, parce que c'est un jeu qui se joue de 2 à 4 personnes, puis vous voyez qu'il y a de la place pour mettre d'autres choses. Fait que j'imagine qu'ils pensent peut-être faire des extensions. Fait qu'on va commencer par regarder ces cartes-là. Alors, ces cartes-là qui sont, dans le fond, les cartes, vous voyez qu'ils sont, ils ont un dessus, et à un moment donné, ils ont un 2, donc ils vont apparaître dans à différents moments dans la partie. Et ces cartes-là, ce sont des cartes qui vont peupler notre village. Alors, si ma mémoire est bonne, on a par exemple la boulangère, on a ici, dans ces cartes-là, on a le choix de qui on va utiliser. Alors ça, c'est le soldat qui va protéger notre ville, on a la sorcière qui va permettre de guérir des gens, on a le cuisinier qui est ici, ensuite de ça, je perds des cartes par terre, c'est super. Qui qu'on a d'autre également? Bon, on en a plein, là, voyez. Alors, ils sont toutes là, et ces cartes-là, qui sont de qualité, c'est drôle à dire, mais ils sont, je vais aller chercher mes cartes que j'ai perdues par terre. Alors, qui sont de qualité quand même, je dirais, dans l'ensemble correct. Je sais pas comment l'expliquer, c'est pas la plus grande qualité sur la planète, là. Mais ils ont pas de petits finis pour protéger les cartes, mais ils sont quand même assez solides. On voit que c'est du carton, c'est pas de la petite feuille de papier. Donc, en tout cas, bref, je pense que si vous pensez jouer relativement souvent, ben il va falloir probablement vous les protéger, mais sinon, d'après moi, ils devraient être assez corrects. Donc ça, c'est pour présenter ces cartes. Okay, ensuite de ça, bien, on a ici, on a les fameuses cartes qui vont représenter notre village. Alors, vous voyez que dans la partie, on a des personnages que l'on va utiliser pour mettre sur ces petites cartes-là. La mémoire m'échappe à savoir à quoi ils servent. J'ai joué au LAL, ça fait un petit bout, mais je me souviens pas exactement à quoi servent les personnages. Je me souviens qu'un petit peu comme à la manière de Spice Road, là, à chaque fois qu'on prend une carte, parce que les personnages vont être étalés sur la table et on va pouvoir en choisir. Celle qui est la plus à droite, elle est gratuite. Et ensuite, les autres, on va les prendre on va laisser des meeples sur chacune des cartes pour tous ceux qu'on va choisir qui est pas à droite, là. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Mais je me souviens pas exactement à quoi va servir ces meeples. En tout cas, on a une petite carte pour les mettre dessus. Ensuite de ça, bien, on a, vous voyez, ça c'est toute la ville au grand complet. Puis ce qui est le fun, là, c'est que quand on les place, là, je vais essayer de vous le présenter sans qu'il y ait trop de reflets, là, mais quand on les place, là, ça forme une belle petite mosaïque. Hein, qui est super cool, comme vous pouvez voir. Puis on a chacune des cartes que l'on va avoir dans notre fameux domaine. Et là, j'en ai d'autres. Donc, on a le moulin. Le moulin, on a ici la brewery, donc pour le genre de place pour faire de la bière. On a le cottage, on a le guardhouse. C'est ici qu'on va mettre, dans le fond, on va mettre les soldats. On a la baraque. C'est ici la guardhouse, je me souviens plus. En tout cas, bref. Et on a la inn. On a également ici la infirmary. Et on a finalement le castle qui est juste là, dans lequel on va mettre la princesse. Et ce qui est cool, c'est qu'à chaque fois qu'on va mettre des personnages, bien, on va faire des points en fonction du nombre de personnages qu'on a en dessous. Et il y a des combos très intéressants qu'on va pouvoir faire, comme par exemple celui-là. On voit qu'on va faire ici 2 points et 1 meeple. Hein, je vais essayer de vous le présenter comme il faut, s'il peut zoomer. Et zoom-tu? Ah ouais, vas-y, zoom-toi, matin. Bon, voilà. Alors, on se fait, on va se faire ici 2 points plus 1 meeple par personnage Barry qu'on a. Et toutes les autres personnes, s'ils ont quelqu'un au moulin, ils vont faire 2 points. Alors, ça fait plein de sens. Et ils sont recto-verso en passant. Ils sont recto-verso, ce qui nous permet à chaque partie d'avoir quelque chose de différent. Vous voyez que c'est pas exactement la même chose qu'il y a de chaque côté. Alors, ça change un petit peu les parties. Et je sais pas si on peut... On
peut, j'imagine, on peut probablement faire en sorte qu'on peut changer, par exemple, ici, celui-là qui est écrit un A, un B. Donc, j'imagine qu'on peut les changer, mais on voit que tout est différent. Alors, ça fait quelque chose de très, très cool et c'est quelque chose qui est très intéressant. Bref, pour ce qui est de ce jeu-là, fait que ça, c'est pour ces fameuses cartes-là qui sont à peu près de la même qualité que la qualité que je vous ai présentée tantôt pour ce qui est du de la qualité des petites cartes. Donc c'est pas la mer à boire, mais c'est pas si pire non plus. Fait que voilà pour ça. Là, après ça, qu'est-ce qui nous reste à vous présenter? Ben, c'est ces fameux petits jetons-là. Alors, ce ne sont pas des jetons de qualité Chip Theory Games, là, mais c'est quand même très intéressant. Fait qu'on a des jetons qui ont un de valeur, on a des deux. Ensuite, on a une panoplie de jetons 10. Puis ce qui est le fun, c'est qu'ils sont comme en genre de petit plastique, mais c'est cool. C'est cool quand même comme affaire à avoir animé. On a des 50 et on a quelques 100, donc je vous rappelle que ça, c'est des points qu'on va avoir, et le but du jeu, c'est celui qui gagne le plus grand nombre de points. Fait que voilà, mais écoutez, c'est ce qui met fin à la présentation de Majesty for the Realm. Alors, est-ce que c'est un jeu qui aura autant de succès que son prédécesseur pour Marc-André qui était Splendor? Je ne sais pas, mais pour l'instant, les critiques sont quand même relativement bonnes par rapport à ça. Mais, tu sais, attendez-vous pas à avoir un grand jeu d'une grande complexité. Là, c'est un petit jeu pour jouer en famille, et pour jouer avec vos enfants, pour jouer avec des gens qui sont peut-être pas trop habitués à jouer à des gros jeux de société. Mais voilà, alors c'était la présentation de ça. Donc si j'avais une cote à lui donner, je vous dirais que pour ce qui est de son matériel là, dans l'ensemble, avec l'insert et tout ça, ben, je lui donnerais un A moins. A moins parce que pour le prix, il est quand même assez dispendieux. Par contre, je vous dirais, au Canada, là, je pense qu'il est à 45$, si ma mémoire est bonne. Puis il n'y a quand même pas tant de choses que ça à l'intérieur. Fait que je vous dirais que le matériel, il est bien. C'est sûr qu'il est peut-être overproduced, ça aurait pu être des jetons de carton, puis ça aurait pu faire baisser le prix. Donc effectivement, je pense que je vais te baisser à un B+, parce que le matériel est magnifique par contre, là. C'est super, les petits meeples sont corrects, les cartes sont de bonne qualité, c'est très coloré, c'est très bien, on a un insert pour tout ranger ça, mais pour le prix, un B+, c'est quand même bien. Pour ce qui est de la pochette, vous savez maintenant que je cote la pochette est très colorée. Ouais, j'ai aucun problème avec ça. Fait que j'y donne quand même la mention de A pour ce qui est de la pochette. Là, je dis quand je la regarde, j'ai envie de jouer au jeu. C'est une pochette qui me semble, j'ai une boîte, là, un artistique de boîte qui est très intéressant. Donc un A. Et pour ce qui est de mon excitation du jeu, ben, c'est sûr que c'est un peu berné parce que j'ai déjà joué à Majesty une fois. Fait que pour celle-ci, je vous dirais que présentement, mon excitation est à A parce que j'ai très très hâte de l'essayer avec mes enfants. Mais évidemment, c'est berné un petit peu. Mais quand même, je vous donne cette note-là. Alors, merci beaucoup de m'avoir suivi dans ce deuxième épisode du déballage surprise. Alors, abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Allez voir mon Facebook, mon Instagram, ainsi qu'un petit tour sur passionboardgames.com, www.levalet.com pour vous procurer tous les jeux, dont le jeu Majesty qui est maintenant en magasin là-bas. Et d'ici la prochaine fois, amusez-vous avec vos jeux de société. Et on va se revoir très bientôt.